Et salut à tous, c'est la Ratator. J'espère que vous allez tous bien. Je vais pouvoir remettre le son du jeu en distance. Je ne suis pas trop fort encore une fois, mais ça doit le faire. D'accord, moi. Donc j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc sur Ark, comme je vous l'avais annoncé. Donc sur Facebook, n'hésitez pas, si vous n'avez pas le Facebook déjà, à mettre un petit. Me suivre un petit peu sur Facebook, c'est là où il y a donc toujours mes streams, je vous le rappelle. Donc voilà, Ark, hein, Ark, je vous rappelle, donc je suis revenu, on avait commencé un petit peu la dernière fois. Donc on n'avait pas retrouvé, et donc c'est sur ce serveur-là, pour ceux que ça intéresserait, et faire le DGR, machin. C'est un serveur non officiel, parce que bon voilà, en espérant qu'il n'y ait jamais de soucis dessus, ce serait un petit peu embêtant. Qu'il le supprime, c'est le risque. On verra bien, donc c'est sur, bien sûr, l'extension Scorched Earth. Donc voilà, direction directement le jeu, donc je vous rappelle, c'est un survival. À ce niveau-là, c'est plutôt sympathique comme style de jeu, enfin moi c'est un style que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, donc la suite, donc je vous rappelle ce qui s'était passé la dernière fois. On avait eu deux dinosaures parce qu'il y avait une base abandonnée, en fait on a récupéré les dinosaures. Pas très bien de faire, on avait détruit cette base-là d'ailleurs pour se mettre à côté de la source d'eau, tout simplement. Sauf que ça me redemande un spawn et ça c'est un peu anormal. Soit ils ont peut-être remis à zéro. Donc. Bah, c'est ce qu'on va voir. Hein. Ça, je suis pas retourné depuis la dernière fois. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi il n'y a plus rien. Ça me paraît un petit peu étonnant. Voilà, apparemment on va vérifier donc niveau 1. Donc je pense qu'en fait tout a été supprimé sur le serveur. Donc on va essayer de se trouver une zone pas trop loin forcément d'ici. Mais avec une source d'eau comme on a vu celle-là, mais pas que. Par contre, je vois des créatures qui peuvent m'attaquer de partout. Il y a eu les terror boards là, un saber tous ici, il y en avait un autre là-bas. C'est pas très sympa ça. Mais bon. Donc on verra. En espérant si jamais ça devait se refaire sur ce serveur, que tout soit supprimé, il se peut qu'on change. Donc finalement, on va un peu reprendre à zéro. C'est un français normalement, mais. Ou alors on aurait été sur le mauvais, on se serait trompé. Je vais revérifier parce que ça me paraît étonnant. Ben non, on était bien sur le désert. Donc je souhaite que j'ai cliqué peut-être un peu trop vite. Bon. Alors. Se déconnecter tranquillement. Pour une raison que j'ignore un petit peu, tout à pas bien grave hein. On était au début, c'est pas gênant, mais c'est les choses qui me font peur, ça va arriver. Mais en même temps sur serveur officiel pour tout ce qui est tamwalk, honnêtement ce serait beaucoup trop long.
Et en fait, c'est peut-être qu'on va pas quand même revenir sur Servoir Odyssey finalement. Parce que au moins on n'aura pas trop de soucis normalement de. Pas trop de soucis avec tout ce qui est reset ou autre. Joueur, on va chercher dans les officiels ce qu'on a. On va voir si on n'a pas des Français seulement. Ça va être pas mal. Bon, bah, bien sûr, ça commence très 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 mal. Apprivoiser un dinosaure, ça risque d'être très très long. Même au niveau de l'XP et tout ça, ça risque d'être long. Là, c'est aussi facile. Voilà, on va pas modifier, après tout, il est très bien de base le personnage. Et puis ça change pas grand chose, on avait vu ça. Hop, hop, on va créer de nouveaux survivants. Donc, première fois que je vais sur un serveur officiel, sur Ark, je dois vous l'avouer. Donc voilà. C'est parti. Bon voilà. De regarder un peu tout ce qu'il y a dans les environs et trouver donc un endroit pour se créer une petite base sympathique. Même si ce qui me fait peur, c'est qu'il y a déjà beaucoup de bases en fait. C'est une des choses qui me fait un peu plus peur en fait. Ici, il y a déjà plein de bases de construites. On va se mettre où? De se trouver une base, enfin de se construire une base déjà. Alors si en plus tout est pris, j'ai envie de descendre. Non mais dites-moi pas qu'on s'est bloqué. On s'est bloqué. Ok, c'est pas mal comme début. Alors ça ressemble à moitié à du lag, c'est bizarre. On va trouver un autre.
que enfin, c'est pour attendre 3 heures qu'on meure de faim ou je ne sais quoi avant de mourir, on n'a pas fini. On peut en avoir pour 10-20 minutes. Alors. C'est dommage. Bon, mais enfin, il y avait pas mal d'habitations. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Donc je pense que ce serait pas facile. Ça aussi, le souci qu'on a. Va-t'en payer ton truc alors qu'il y a tout autour qui fait que ce sera pas évident. Bon. Veux-tu te déconnecter, s'il te plaît? Alors. Par contre, ça, c'est très long dans Arc, je trouve. C'est les déconnexions. Avoir de soucis de blocage ou autre. Il serait vraiment pas évident. Voilà, bon. Voilà, tout simplement. Alors, on en charge. C'est souvent le chargement. Je me doutais qu'il devait avoir une autre base. Regardez les bases qu'il y a, c'est un truc de fou. C'est pour ça que j'aime pas spécialement. Vous voulez que je fasse comment là-dedans? Pour me construire mon petit endroit. Alors. Bon, bah on va chercher, hein. On va chercher un petit endroit sympathique. Bon, c'est plus de la base, là, c'est de la forteresse. Quand même. Allô? Ça, le jeu a décidé de faire un lag. La dernière fois, on n'en avait pas eu un seul. Hein. Je le rappelle. Un début de quelque chose. Tous ces trucs que j'arrête pas de voir, ça m'intrigue. Là, il y a une base.
nous, ce qu'il nous faut surtout, c'est une source d'eau, faut bien l'avouer. Il est pas méchant, tant mieux. Je préfère avoir lui que les raptors ou autre. Alors, voilà, le plus dur, c'est comme la dernière fois, c'est retrouver un endroit. Sachant qu'apparemment là on arrive au pilier, on n'en est pas très loin si vous regardez bien. Et il risque d'avoir pas mal de bases également dans les environs. Alors. Toujours faire gaffe. Je crois que là-bas il y a une source et plutôt rien autour à confirmer, mais ça pourrait bien être le début de notre base. Regardez, c'est pas mal comme point. Qu'en pensez-vous? Ouais, hein, vous voyez un peu plus comment ça récolte en général. Alors, on va aller dans. Déjà, se monter comme la dernière fois. D'abord le poids, parce que. On va apprendre forcément ça. Et ça, pour l'instant, on va même pas pouvoir aller plus loin. Alors. En douceur. Alors lui là-bas, attention, il est pas très très gentil. Autant qu'on t'embête pas, t'es pas très très méchant. On va taper les arbres. Allez. Voilà qui est bien mieux. Hop là. Alors on va casser du caillou. Comme ça, on récupère un peu de steak. Voilà. On a soif. On a plus soif. Donc là on va d'abord partir un petit peu sur des fondations. On ne pourra pas tout faire bien sûr, mais
en faisant qu'on va vraiment monter. Alors on a donc pour les fondations, il va me falloir pas mal de branchages. Là, très bien. Faisons ça, des branchages. Voilà. On va essayer. Juste regardez, ce que j'aime bien dans la zone, c'est qu'il y a quand même pas mal d'arbres. Vous pouvez le voir. Beaucoup, hein. Regardez ce qui va nous manquer après. Encore une fois, les branchages. Pour l'instant, c'est les branchages qui vont nous manquer. Pourquoi donc? Pourquoi je ne peux pas construire? Est-ce qu'il y a la source d'eau et que ça me bloque à une certaine distance? Ce serait pas impossible. Alors là-bas, il y a un lézard qu'il ne faut pas trop aller chercher. Essayez de se trouver une petite zone. Tant qu'on n'est pas trop loin de la source d'eau. Voilà, apparemment, c'est la source d'eau. Alors allez. Bon voilà, on a trouvé l'endroit pour un début. Alors, espérons que je ne suis pas déjà perdu, c'est bon. Alors. Alors, pour la suite, il va nous falloir le plafond, la porte. On va commencer tout ce qui est vêtements. Tout simplement. Continuer. Je crois, on va vérifier. Ah, c'est aussi des fibres là qui vont quand même détruire celui-là. On va ramasser, vous voyez, c'est quand même ce qui va nous manquer. Pareil. Pour l'instant, pas de menace dans les environs. C'est plutôt sympa. Un peu chaud. Voilà. Donc ça va être long à récolter tout ça. Voilà. En refaire combien? 3, allez, ben on va refaire 3. Ah.
Alors. Qu'est-ce qui me manque cette fois-ci? Du branchage. Alors, on retourne prendre du branchage. Voilà, encore faire, je pense. C'est bien par là. Et puis après, on va monter. Allez. Donc, on est parti. On récolte. Tranquille. Donc je vois, ça dépend de ce qui nous manque là. Est-ce que ça va être les fibres cette fois-ci? On en a... Ah bon, on en a quoi en faire 5. Il fait super chaud. C'est vrai que notre perso il fait des petits cris, je sais pas si vous les entendez bien. Voilà. Alors. Allez. On continue tranquillement. Sans trop soucis. Alors. On ramasse, on ramasse, on ramasse. Pas besoin d'aller très loin, ça c'est cool. Ça on va pas en manquer. Hein. Tout ce qui sera B et tout ça, on va pas en manquer. Voilà. Ça va un peu. 15. Je pense que pour l'instant ça va être la taille. Au pire des cas, on agrandira plus tard. À ce niveau-là.
là, mais il nous faut du bois. Alors, c'est parti pour du bois. Je vérifie un peu notre soif. La faim pour l'instant, bah, pas tant que ça. Hein. Je m'attendais à pire. Ça va être la taille de la maison. Hein. Bien du tout. On risque de mourir, pour tout vous dire, à cause de la chaleur. Alors, moi il faut que je fasse des murs maintenant. Je vais mettre ce qu'il manque. Alors, donc, j'espère pouvoir quand même apprivoiser un dinosaure aujourd'hui. Un petit peu, mais là, ouais. Pour la map.
déjà l'entrée. On va commencer à mettre des murs. Très sympathique à ça aussi. Bon. L'entrée, on va la mettre. Après, je fais une entrée des claviers. On meurt de faim, ça il fallait s'en douter. Voilà. Je vais prendre les murs. Regardez déjà ce qui me manque pour les murs. Je serai pas prêt. De la fibre. C'est de la fibre qu'à nouveau je n'ai pas eu. Voilà. Il nous en manque 1, 2, 3, 4, 5, 10. Maison à l'avant, ça c'est bien. Ça c'est plutôt sympa. Ouais. En fabriquer des fils qui risquent de nous manquer du branchage. Alors, des branchages pour changer. Bon, ça va faire de plus en plus mal quand même pour aller les chercher. Je vérifie quand même avant ce qu'il y a. Sinon, je vais se faire agresser. Et puis, je pense que ça va être un des premiers combattants. Le Yelpop, c'est comme je l'appelle. Des plafonds, il va me manquer quelque chose comme de la fibre. Bon voilà, une petite première maison un peu rustique. Pour le plafond, c'est de la fibre qu'il me manque. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça, on l'a bien compris. C'est les deux, c'est des fonds qu'il me faut le plus. Allez. Là aussi, on en aura un. Alors, on est en 3 x 5, hein, c'est ça. Donc, ce sera 15 plafonds qu'il nous faudra. Cool parce qu'on a quand même pas mal de petites ressources de base dans les environs. Voilà.
Bon allez, c'est pas mal là. On reprend. Et on... rien de menaçant dans les environs. Un petit peu, mais là. D'accord. Alors, des plafonds. On peut faire les vite. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre ? Le lit est tellement... stockage. On va ça pour pouvoir se défendre un petit peu. Alors, je compte vraiment l'éloigner. Mais il a été tué par je ne sais pas. On va profiter pour le dépouiller.
s'est pas passé comme on le souhaitait. Et nos coordonnées, c'est en gros 40 un peu à côté, 65. Alors, je pense que c'était par là. Je me souviens qu'on avait suivi un petit peu tout ça. Ce saut là je le sens pas du tout. Bon, faut qu'on retrouve notre endroit quand même. Ce serait plutôt sympa. Est-ce qu'on n'était pas en train d'avancer vers la... Alors là, je saurais pas vous dire en fait. Alors... Ah, vous vous souvenez pas, on était passé par ça. Ouais, je m'en souviens. Ça ressemble à notre chez nous. Pas notre. Voilà. Chez nous, il est là. Alors. Déjà, on récupère notre corps. Tout récupérer. Tout ce qu'on avait. Ah non, non, regarde. Allez. Il y a juste ça qu'on peut jeter. On en a déjà un.
nous suffit bien. Alors. Zana à retenir le danger. Pour l'instant, on l'a un peu éloigné. On espère pouvoir le tuer par la suite carrément, ce serait l'idéal. Il faut bien avouer qu'il va nous faire chier. Pour parler clairement, un peu vulgairement. Tiens. Alors, moi, je peux fabriquer ça en plus par contre. Avoir le truc complet. Moi, c'est éliminé ça. Le truc qui s'attaquait à notre maison. Alors, il nous manque quoi pour finir nos toits? Donc, il nous en manque combien au final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un truc comme ça. Alors. Il nous manque des branchages. Ah oui, c'était ça qu'on était parti chercher avant de croiser le bien petit. Alors. Voilà, ouais, c'est parti donc pour retrouver des branchages. Hop, juste un petit truc. Hop. Alors.
on continue. La récolte. Tranquillement. Il va nous manquer du bois. Ça faisait longtemps. Pour l'instant, on va peut-être pas le faire. Alors. Pas du tout coûte cher. Mais ça, ça va peut-être être un peu plus utile pour l'instant. Allez, on va tout de suite boire par contre. On court pour boire. J'ai l'impression que la nuit va tomber. J'ai l'impression que c'est bien assombri. Ce sera pas trop. Voilà, nous avons notre maison qui se fait tranquillement. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Le feu peut-être? Il est temps de se faire un petit feu, des petites choses comme ça. Hein. Pour le feu, il me faut un peu de brancher. Alors, le feu. Enfin, le premier feu. Alors, donc, on va mettre un peu de bois dedans. Parce que je crois que j'avais de la viande. Pour éventuellement se faire des armes, par exemple, faut de la fibre. Alors, on va trouver de la fibre. Il
surprise. Par hasard, il y avait le golem de... J'étais loin de lui. Attends, je suis passé à côté de lui, quoi. J'essaie de passer assez loin. Tant pis, t'arrives. Bon. J'ai fait en sorte de passer assez loin, quand même. J'aime quand ça apparaît comme ça d'un coup. Ça me fait toujours un petit... C'est quoi ? Là maintenant je vais avoir froid. Il y a des choses pires à retrouver quand même. Une maison, ça va encore, c'est grand. Sauf que le monde est très grand chaque fois. Voilà. La maison qui ressemble à un autre truc, c'est que j'ai peur de ce fait d'avoir rapproché encore une fois le golem tout à l'heure. Vivement qu'on puisse le buter, ce golem. Vraiment.
125. Point, c'était de leur décaler. Deuxième point, récupérer le stuff. Troisième point, pire des cas, tuer. Bon allez, on a tout récupéré. C'est plutôt cool. Alors. Alors pour l'instant, on va remettre ça là, on va enlever ça, on va se mettre ça là. Voilà. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire maintenant? Il va falloir aller Tam un petit peu. Pour Tam, on n'a pas grand choix. Alors, il nous faut soit la massue, soit le lance-pierre. Son arc petit, ça pourra nous servir, mais ça sera peut-être pour plus tard. Soif. On n'est pas non plus froid, c'est gelé, mais bon quand même.
assez de peau pour faire ça. Le sac de couchage, on en a assez aussi. Non. Alors, on va se remonter encore un peu le poids. Et comme je vous dis, on va peut-être penser au tam. Moi, je pense plus avec le lance-pierre. Alors. Alors. Bon. Alors. Bah, y en a un autre ici. Il te manque du bois. Et ben. Comme ça, on aura du bois maintenant. On va reprendre le dépouillage. Voilà. Un petit peu ce qu'on voulait. Voilà. Alors, dans les choses qu'il nous fallait, on avait peut-être un petit sac de couchage. Si vous devez bien vous en douter, moi je préfère en général faire le lit. Voilà. Parce que c'est à usage unique, le sac de couchage, c'est ça qui est embêtant. Ça, en faire un, c'est bien. Alors que le lit permet quand même de revenir à chaque fois. Donc pour l'instant, on va attendre pour ça. Alors il nous fallait des pierres. Assez. Oui. Vous avez vu ce que j'ai vu. Il nous a vu. En fait, il s'en fout de nous. Clairement, tant mieux. Parce que pour l'instant, pas trop ce qu'on veut.
Alors, donc pour l'instant. Je vais chercher un petit peu un truc au niveau des touches. C'est marrant, il y a une touche pour. Pour moi, vu que le golem là-bas s'est levé. Non, apparemment, hop, apparemment tout avait lagué. Hein. Je sais pas si vous me voyez toujours ou pas à ce moment-là. Enfin, tout à l'heure. Mais moi, tout a lagué. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un contrôle à le sub. Qui me fait donc de ce fait ce truc totalement dégueulasse. Alors, ok. Voilà, re à tout le monde. Il y a eu ce petit lag. Donc voilà, faudra un petit peu ce que ça donne. Et j'arrive plus du tout à retourner sur Arc. Et donc devoir tout fermer et tout relancer. Sympathique, n'est-ce pas? Marrant. On est en train de revenir. Tant pis, on a loupé. Parce que moi, ce que je vais vous proposer dans ce cas-là, c'est le temps que tout se fasse bien. Donc je vais vous remettre une petite pause de 5 minutes, comme ça moi de mon côté j'ai le temps de tout essayer de remettre en place tranquillement. Donc je vous dis, moi ce que je vais vous proposer dans ce cas-là, c'est le...
Donc, voilà, normalement. C'est bon, on a bien le jeu de Wallet. On l'a à nouveau. Et je rentre sur le serveur. Alors. Ok, merci le bug. Le fait le dirwall fait arriver et m'a buté. Alors on réapparaît. De direction. Alors, il y a juste à retrouver maintenant notre. Alors, cette petite zone tranquillement. Donc je fais un peu plus le tour. Je sais pas si vous avez vu le raptor que moi j'ai vu. Et tant qu'à faire, autant ne pas s'y frotter. Alors. Alors, on arrive où? À notre base, d'en haut, mais... Non, je crois que c'est pas bon. Oups! Bon bah on n'a plus qu'à réapparaître. Je réponds un petit message. Bon bah on n'a plus qu'à refaire ça. Allez, on est reparti. De retrouver notre camp, espérant qu'il soit toujours
erreur. Donc je pense qu'on a perdu tout ce qu'on avait. Hein. Je le sens pas. Toute la viande est devenue américain. Oui, je sais pas. Alors, il est quelle heure là? De toute façon, il est 20h34, d'accord. De toute façon, on va devoir tout retourner. Alors, on va, c'est ce qu'on va faire. Hein. On se rééquipe hein, tranquillement. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il nous fallait pour les lances des CX? Ça va pour prendre des silex alors. Quoi d'autre? Parce que là on peut en faire. Ok, on va reprendre un peu de bois alors. Tranquillement. Là-dessus, il n'y a pas de détruite. Non, non, vous avez pas vu encore. Comment ça se fait détruire? Si je ne trompe pas lui, est-ce qu'il est tout seul? Parce que vous êtes dessus, parce que c'est le seul forçant de la région. J'espère en tout cas, parce que si on a plusieurs, en fait, ils attaquent. Ils sont tout seuls. Thank you.
Bah on va continuer le foin. On va se prendre le lit. Donc. Et pas que apparemment, puisque on va peut-être apprendre de ce cas-là. Les narcotiques. Ah, pour les narcotiques. Pour le lit. Il nous faut beaucoup de peau. Pas mal de chiots. Il faut retrouver un animal à tuer. Bon, voilà, c'est comme ça on pourra se faire le lit. Et éviter à s'embêter pour respawn à chaque fois. Parce que jusque là c'est un peu le truc qui nous embête le plus. Hein. Parce que mourir ça peut arriver. Mais galérer après quand on respawn. Oui, ce serait pas plus mal. Alors. J'aime beaucoup ce genre de ruine. Pour le lit, on a assez de peau. Bah, il nous manque juste ce qui va être le plus simple à trouver en fait. On va reprendre bien bois branchage. De la fibre. Alors, on va pour la fibre. On va ramasser un petit peu tout tranquillement. Je pense qu'on a assez là. Voilà. Branchage et tout ça. On va commencer par les branchages. On en a assez de ce fait du tout parce que c'est un peu foutu de notre gueule. Alors. Enfin, on va voir notre lit. Assez rudimentaire, hein, mais on ne demande pas plus. Dans le jeu. À part le lit double qui sert, mais en clan. Voilà. Comme ça, la prochaine fois qu'on meurt, on pourra réapparaître ici. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, il est 43.
Le problème, c'est qu'on n'a pas grand chose à. De la viande. Je vais prendre téléporter apparemment. Et ici on va faire ça. T'as un accès en arco. Le lance-pierre, il nous manque quoi? Bah du bois. Ah bah, on va se faire un lance-pierre. Faisons le lance-pierre alors. On va récupérer un peu de pierre et on va essayer d'aller tamer donc notre premier dinosaure. La pivoiserie. On va se prendre une petite réserve de pierre. Je pense que là on va en avoir assez. On va commencer par un petit gentil. On a le choix entre le gros là, le tops. Oui, il y en a un autre que j'aime bien, que j'ai vu tout à l'heure, donc là-bas. C'est là que vous allez voir donc pourquoi j'aurais préféré un non officiel, parce qu'on va voir un petit peu les temps de tam et tout ça, qui risque d'être assez vieux. Prendre celui à l'entrée. Je compare les niveaux, autant le prendre au plus haut niveau possible. Allez. J'essaie de lui mettre dans la tête parce qu'à ce qui paraît. On leur balance dans la tête, il tombe plus facilement. Là, il est tombé. On va en profiter pour toi. Hop, hop. Voilà, on a fait tomber notre premier.
dinos déjà. Maintenant, accéder à l'inventaire. On va lui mettre ça et on va voir combien de temps il va nous falloir pour l'avoir. De toute façon, c'est un des plus simples. Vous voyez, il en a mangé une. Ça a monté de ça. Oh, hop, je viens de faire tomber mon portable. Alors, donc voilà, vous voyez à quel point c'est long. Donc on a un peu de temps. Et les méjoberies sont les plus efficaces des V, c'est pour ça aussi que j'en ai donné ça et pas autre chose. On a vraiment soif. On va essayer de faire au plus vite. Une dernière fois le poids, ça je te dis que le poids ce sera un des trucs. Fioma non, on va devoir commencer à regarder les selles un petit peu par hasard, ou je sais plus son nom, je crois que c'est la selle de par hasard qu'il nous faut, donc on va confirmer parce que ça coûte quand même cher, on n'a pas ressources limitées. L'autre il y avait beaucoup plus hein. Y aller en marchant tranquillement, parce qu'il n'y a pas d'urgence. On ramasse des baies au passage. C'est tout ce qu'on a à faire. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Enfin, c'est mieux, ouais. Je vais juste voir où il en est. Alors. Bon bah il a quand même bien avancé. On va lui en rajouter un petit peu. Il en est où? Il faut vérifier sa torpeur. Alors je sais pas si vous avez vu où c'était la torpeur. C'est là. En bas. Remarquer qu'il n'y a pas le curseur. Voilà, c'est là. Ici. Donc c'est la torpeur qui descend. Et l'idée, je pense, c'est de la laisser le plus haut possible. Puisque. Ouais. Et comment la laisser plus haut? Regardez, je vous montre. Si je fais force et utilisation. Voilà, vous voyez. L'arcobéry lui a fait remonter un petit peu son niveau d'inconscience. Et on en aura besoin puisque. En attendant, on va continuer à essayer de prendre des méjoberries. Bon, ça c'est pas mal des petits arbres en fait, où ça nous permet de plus forcément de taper. Alors, on va lui redonner tout ça en plus. 3, 4, 5, voilà. On continue tranquillement notre petite récolte
En restant pas très loin de lui, tu préfères. On pourra surnommer les dinos. C'est ce qu'on va essayer de faire. Si vous avez des idées de noms de dinos, n'hésitez pas à me le mettre. Donc, vu que bah, soit sur le Twitch, donc quand je suis en live, si vous regardez les replays sur YouTube, n'hésitez pas également à me le mettre dans les commentaires. Je regarderai un petit peu par rapport au surnom. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'essaierai justement de prendre vos surnoms. Voilà, le premier, ce sera moi qui vais devoir choisir un petit surnom pour lui. Et on verra par la suite. Alors, on va retourner le voir un petit peu. Comment elle a dû. Alors. Je vais lui remettre ça et ça. Je renforce l'utilisation un petit peu. Et on va attendre tranquillement. Il a un peu fait un peu plus de la moitié. C'est plutôt cool. Et c'est un Parasaur. Donc Parasaur, ce qui veut dire Sacelle. On va aussi regarder pour ça, tant qu'à faire. Celle de Parasaur. On l'a vu tout à l'heure en plus. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faut pour Sacelle? Il nous manquera de la peau. On va essayer de commencer déjà à avoir de la peau. Hmm. L'idéal ce serait qu'on puisse le monter déjà. Donc on a dit, et d'ailleurs c'est la seule chose qui nous manque. Hein. Peau. On va voir là-bas, mais sachant que s'ils sont à plusieurs, je vous l'ai dit, ils nous attaquent. C'était le cas tout à l'heure. Ils sont moins 3. On a le lit maintenant. Récupérer pas mal de viande. Allez. Alors. On faisait plus court.
ça j'ai déjà soif. Non. Tomber dans les vapes. Tu veux bien bouger s'il te plaît, tu déranges. Mais fini. Si on avait la selle, on serait obligé. Arriver à l'eau, attends. C'est la grande question. Pas courir avec la jambe cassée. Ah, ça va être. Je pensais pas qu'on aurait autant de galères pour aller récupérer l'eau. Des faux.
Ok. Bête à tuer. Non mais, viens de boire. Enfin, on vient de récupérer son corps, donc on n'a pas soif normalement. C'est une blague. Enfin, genre, je suis arrivé là-bas. Oh, t'as soif. On a la selle. On va faire la selle tranquillement. Et on va les lui mettre. Nous avons notre premier dino et sa première selle. C'est plutôt cool. Et voilà. Blague. Ok, bon, on va récupérer tranquillement. Il y avait quoi? Il y avait des chaussures. Voilà, donc ça c'était aussi une première découverte pour vous, sûrement. Sauf si vous connaissez le jeu, c'est. C'est ce qu'on appelle supply. Ce que je propose. Apparemment, notre perso décide d'avoir soif environ toute l'été.
20 secondes. Là, il faut que je monte la vitesse. Alors, on va essayer de faire le tour. Il doit bien avoir un tour à faire pour ravisser avec notre petit dino. Qu'on atteint, ce serait dommage quand même de ne pas pouvoir l'avoir. C'est pas l'objectif de le laisser là-bas. En effet, c'est la soif qui part. Je vais juste confirmer, mais je crois que c'est l'endroit où on était au début, parce que si j'arrive pas à me repérer... Il y a des raptors ici. Alors. On fait une petite pause pour l'énergie. Voilà. Comme ça, plutôt que de marcher, on court, c'est plutôt sympa. Tiens, ça a l'air d'être une sortie ici. Alors, maintenant,
trouver l'autre côté. Ce qui serait plutôt sympathique. Ça pour rien. Bon, écoutez les amis, dans tous les cas on est un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. C'est pas grave, on va tout reprendre, on va essayer d'en retrouver un autre à table. Vous voyez, c'est pas très compliqué pour cela. On va peut-être autre chose, mémoire la top, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui ont éventuellement mis un follow ou qui en mettront un suite à cette vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aimer la page Facebook pour savoir quand je live, aimer la page YouTube pour retrouver les replays si vous avez manqué malheureusement un live. Moi je vous dis rendez-vous normalement si tout se passe bien demain, même heure, même chaîne, enfin même heure peut-être pas d'ailleurs, mais même chaîne en tout cas, ça c'est sûr. Donc demain on verra, ce sera sûrement du League of Legends. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée si vous me regardez sur YouTube en journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut !